les choucrouloutes, ici Loupina pour une vidéo, donc ce sera un récap de live pour le 100 bébés numéro 131 et 132 parce que j'ai fait des lives donc jeudi après-midi et vendredi après-midi, donc voilà, je me suis dit que comme c'était complètement impossible que j'upload sur ma chaîne 5 heures de live, je me suis dit que j'allais faire des petits bouts comme ça, vous aurez l'important. Etc, etc. Je ferai maintenant mes lives sur Twitch, donc si vous ne me suivez pas sur Twitch, suivez-moi sur Twitch, et ben sinon tant pis pour vous. Je pense faire un live par semaine maintenant. Enfin, essayez. Au moins pour le 100 bébés, avancer un peu, etc. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Petit récap de l'épisode 131. Les triplés ont grandi, les jumelles ont grandi. Pierre va accoucher. D'ailleurs, j'ai oublié d'ouvrir mon document. Bah, parce que si Loupina était prête, ça se saurait, hein. Quoi, elle a très faim? C'est une blague? Ah bah non, c'est pas une blague. Bon, alors du coup, j'ai relooké tout le monde. Et j'avais un peu avancé les gamines parce qu'en fait, quand j'ai coupé l'épisode... Oh, elle pue du cul, elle. Quand j'ai coupé l'épisode 131, je vais y arriver. Tout le monde était en train d'aller se coucher, sauf les gamines. Du coup, bah, j'en ai profité pour les XP un peu. Bon, allez bouffer. Oh putain, vous allez vous taper toutes les trucs où elle bouffe pendant 3 jours. Oh là là, bon courage, hein. Donc ouais, c'est soleil ça, je crois. Soleil, à communication 3, imagination 2, mouvement 2, réflexion 2. Ça va, j'ai pas chômé, hein, je vous dis. Et l'autre, je sais même plus qui c'est Mélia, je crois, oui, c'est ça. Communication 3, imagination 2, mouvement 2, réflexion 2 et peau numéro 1. Bienvenue, Dina. Allez, zouzou, les petits oiseaux. Oh, et l'autre, elle trace la fumée verte. Ça indique le chemin à sa sœur. C'est dégueulasse. Ah, putain, j'ai pépé. Bon, mais Jacqueline, je t'ai dit de faire la réflexion. On se dépêche, là, mademoiselle. Pas d'excuses. Non, mais vous aussi, jeune gourgandine. Oh, du. Ah oui, alors Jordan a les yeux, quelle couleur? Jordan! Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, j'ai verrouillé ma souris. Oui, j'ai aussi une nouvelle souris pour bien faire... Nique ta mère! Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah tant pis. Ah, il y a les yeux bleus, comme papa. Bon, j'aimerais bien que Pierre accouche là. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il a dans le bide. Et après, il faudra qu'on drague quelqu'un. Je veux vraiment enchaîner ces putains de bébés. Et il faudrait peut-être aller en cours, les chiards. Allez? Oh! Regardez, ils ont raté une heure de cours parce qu'ils jouent aux jeux vidéo. Franchement! Mal éduqué, va. Mais merde, je clique sur le mauvais gauche, je me dis pourquoi il peut pas s'asseoir sur la chaise. Je me fatigue. Mais il reneige au printemps? C'est les giboulées de mars. D'ailleurs, on en parle de leur flocon. Qui est totalement plat. C'est quoi ce flocon dégueulasse, là? C'était au moins, on va attendre que Pierre accouche. Et après, peut-être que je vous montrerai le projet... Non, je vais attendre Max. Voilà, comme ça fout la pression à Max. Si il vient pas, eh ben, vous ne saurez jamais. Donc, il faudra l'harceler. Quoi, Mélia a faim? Mais encore? Mais c'est un tube digestif, cette petite. Le temps qu'elle se réveille, ils auront tous pris une portion d'un truc. Et il n'y en aura plus pour la gamine. Je le sens venir gros comme mon cul, donc on va mettre ça par terre. Quoi? Ils ont que c'est? C'est honteux. Zouzou, nettoyer, balayer, astiquer, gna gna gna. Mélia, il me semble que je t'ai demandé d'aller te coucher. Va donc te coucher. Oh putain, il accouche. Il accouche. Il accouche. J'espère que ce sera des filles, comme ça je pourrais donner vos pseudos. Ouais, et toi tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Bah tu vas... Putain, mais elle a la forme, elle. Mais regardez ça. What the fuck? Alors? Eh ben je ne sais pas. Ouh, il est en train d'accoucher. Attendez, je prévois juste les actions de la gamine. Ils ont eu toute la journée de cours et tout et ils vont très bien. J'arrive pile pour les jumeaux. Ouh, Nana! D'ailleurs, Nana, est-ce que t'es morte? Attends, je regarde. Ah oui, d'ailleurs, regardez le bel arbre généalogique beaucoup trop long. Ah, ça va en fait. On va mettre à partir de Clara. Oh my god! Oh my god! Ah oui! Regarde, t'es là, Nana! RIP! La pauvre!
Tous est mort. Il reste qui en vivant de la première génération? Jérémy? Louise? Ah bah super, il reste Lou, génial quoi, ce serait... Ouais. Putain, ils sont tous morts, c'est d'un triste. Oh, Aksu est mort. Et Nono aussi. Elle est où Nono? Je sais plus, mais je sais qu'elle était morte. Quelle tristesse. Oh, Ruru est mort. J'en ai jamais vu aussi long RIP, nana. Quoi? Bah oui, à l'époque, vous me suivez pas, mais j'avais mis tous vos prénoms. Oh, Edouard est mort. Edouard! Jean-Phil, Robino. Putain, ils sont vieux. Mais je crois que j'ai arrêté le changement d'âge des PNJ parce que ça me cassait les couilles à me dire toutes les deux minutes je me fais traiter de chouin. Là, je suis morte. Ouh, bonjour. Bonjour le canard. Quoi, quoi. Quoi, quoi. Vous allez bien, monsieur le canard? Là, je suis morte, super, quoi. Maxou. Ok, Max. D'ailleurs, t'es où, Max? Je suis sur une chaise. Merci. Non, mais dans l'arbre généalogique, je suis sûre que tu as été là. Regardez, l'ancien, elle est toujours là. Bon, allez, j'arrête le suspense, là. Vas-y, ponds-les, Pierre. Ponds tes chiards. Ah, alors, c'est quoi? Un garçon. Super, j'ai pas de nom pour les mecs. Attendez, je regarde ma liste. Ah, bah si, j'en ai deux, des noms de garçons. Donc, il y a... ça va être chiant à prononcer à chaque fois, mais c'est pas grave. Sims 4 Constructor. C'est trop long. Le nom est trop long, désolé pour toi. Oui, il y en a deux. Et il y a Tom. Voilà, qui est pas là depuis très très longtemps, mais bienvenue. Voilà, allez, deux chiards de plus. C'est quoi ça? Sims 4 Constructor, c'est un abonné, il est là depuis longtemps en plus. C'est quoi ça? Du don, Manu. C'est pas très gentil. Soin du bébé. Le bébé. Max, est-ce que toi aussi tu veux savoir ce que c'est le projet? Connais le projet. Ah bah oui, mais c'est pas drôle. Pour le projet, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Non, je sais pas si c'est le même projet, hein, ça fait vraiment longtemps que t'es pas venu. Tu sais, je sais lire quand même. Hein. Ouais, alors ça, on n'est pas sûr, ok? Rien le prouve. Hein. J'ai une vidéo qui est préparée pour mercredi prochain, je crois, qui s'intitule « Le projet enfin révélé ». Mais je crois pas savoir ce que c'est. Je suis pas sûre. Hein. Il est crevé, pauvre Pierre. Oui, bah il peut quand même nourrir son chien avant d'aller se coucher. Oh, il va pisser maintenant? Mais pourquoi il pisse? T'as pas besoin de pisser, c'est bon là. Bon, c'est bon? Ça va et toi? C'est bon pour moi. Non mais je parle des bébés là. Ils sont encore en train de chialer. Ouais. Les bébés! Mais ils chialent encore. Ouh, ça pour le faire. Bon, c'est bon, vous arrêtez de chialer les mouflés là. Et si on a les péchos du molle? Quoi, t'as encore faim toi? Mais c'est un ventre à pattes, la petite Mélia, là. Ventre à pattes! Putain, on a encore perdu plein de thunes, hein. 7000 de factures, ça picote un peu, quand même, hein. Bordel! Bon, les chiards, ils font quoi, là? Toi, tu pues, mais ça va. En même temps, t'as la lumière en plein jour, et c'est pas Versailles, ici, hein. Ouais, mais j'aime pas les lumières automatiques, ça me... Je sais pas, Je sais pas. Bon, bah, on va faire ça. Ils ont tous un... Ah ah. Bah ils ont un, ils vont pouvoir grandir. Bien. Le gâteau qui a 8000 ans... Non! Oh la tristesse! Le gâteau est périmé. Donc il va falloir en refaire un. Mais ça faisait que 50 épisodes qu'on l'avait. Déçu. J'ai une question hors du sang bébé en ce qui concerne la Timori. Bien sûr. Va. Oui. Quelle nouvelle.
Le chapitre 3 de Miss l'avait lu. Hein? C'est qui? Ah, Miss Panda! Putain, le temps que ça monte au cerveau. Ben non, elle l'a jamais fait. De sa fanfic érotique avec Max et Lantia au McDo, là. C'est ça? Ah oui, c'est vieux, ça date de mon anniv, je crois. Mais non, elle l'a pas fini. Elle est peut-être plus inspirée, hein. Non, mais s'il vous plaît, regardez la tête de Jordan, là, c'est assez catastrophique. Oh là là. Ça va encore, hein. Mais il a des tout petits yeux, les sourcils blonds, putain. Et puis c'est quoi cette coupe? Ouais, oh my god, attendez, j'avais pas vu la combi de sport avec les bottes de pirate. Vos looks, ils ont toujours le talent de profiter. Roux bleu, j'adore. Grave, c'est... Ouais. Le look de merde. Maya, déjà, a une bonne tête de base. Donc, normalement, ça devrait aller, j'espère. Bah alors, déjà, elle a des nichons. Ça va? Pourquoi t'as une gueule? Bon bah écoute oui. Ma mouche. Là c'est pas possible hein. On l'a forcé à mettre ça, c'est pas possible. Après les bottes de pirate, la cagoule de voleur. En fait ils se font un jeu de rôle. Mais ils ont pile de la thune pour le début du cosplay. Sinon, okay. Sinon t'as l'air plutôt jolie, hein. J'ai pas. Oh ah ouais, on part sur ça. Oh c'est beau, putain. Pourquoi elle a mis ça? Vas-y. Donc je vous explique. Elle a un short avec en dessous un legging et des sandales grecques. Bon, pauvre enfant, allez, allez. On a pas ça, mais ça là. C'est pas possible. C'est magnifique. Là, mais en fait, Maya, c'est parce que ton sim c'est joli. Du coup, fallait compenser, tu comprends. Oh my god. Bah oui, ça va, il est joli. Allez, Max. C'est bien parce que Max il a fêté l'anniversaire de ses deux frères et sœurs. Et lui, tout le monde s'en prend. Ah oh, putain. Ah mince, j'ai dû pas faire le bon truc. Voilà. Tout le monde s'en fout de toi, Max. Faut compenser comme on peut. Oh, mais je vais aller pour looker, putain, parce que là, c'est pas possible. Oh, mais ça a l'air d'être un beau... Ah non, cette coupe, ça ne va pas, par contre. La coupe, mec. La coupe. Bon, tu te mets bien, là, contre-garde. Oh, pourquoi il coupe nul? Ah, bah non, c'est où je clique, en fait. Non, ça va, il est mignon, hein. Cette coupe, hein. Un Max avec une coupe mulet, ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi. C'est pas vraiment mulet, c'est juste chelou. Enfin, ça c'est assez moche, mais. Un peu. Et le ah ah oui ah magnifique, des sandales avec un pantalon. Mais c'est le moins pire. C'est le moins décalé niveau look quand même. Bon bah vous êtes moche, hein. Y a pas de. Non mais le look de Maya, je crois que c'était le mieux. Oh, soleil. Allez, encore une fois sur le pot.
et tu pourras grandir. Oh, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Qui c'est? Encore qui c'est? Sur le popo et tu peux faire caca. Merci, girl zombie. Bienvenue. Oh, hydromel. Ça va là? C'est pas la fête du slip? Bah non. Bah non. Et voilà, un gros chat que vous devez pas voir souvent. Attendez, je sais même pas si vous le voyez là. Ouh, c'est hydromel. Vous le voyez pas souvent. Il aime pas être pris. Aïe. Voilà, il m'a griffé. Donc hydromel, vous le voyez pas souvent, vous voyez surtout Grougal. Par contre, vous entendez de temps en temps hydromel, hein? Elle a soufflé ses bougies ou pas, la gosse? Oui, c'est bon. Alors, on va mettre ça. Oh, bah, clique maintenant. Oh là 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 là, voilà. Elle a l'air super cute. Oh, elle est trop chou. Et donc, voyons voir la petite Mélia. Ça va aussi. Elles sont quand même plus jolies qu'en bambin. Hein. Oh, bah, ça va, il est mignon. Putain, c'est le portrait craché de Pierre. Cécilia a envoyé un cadeau. Bah, c'est bien. Demain, je serai en cours. Mais de toute façon, je mettrai les moments forts, entre guillemets, du... D'accord. Tom dans les jambes de Pierre, c'est très très bizarre. Et lui, bah ça va, il est mignon aussi. Pourquoi il est triste? C'est le moment de porter du noir. Je suis triste parce que je suis triste. Tu ne peux pas comprendre. Ça me fait trop rire. Personne ne me comprend. Ma vie est tellement nulle. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Mais est-ce que je t'ai dit d'aller là-dedans? Je crois pas, non? 2, niveau 2. Quoi? Mais on a des notifs pleins, mais on t'emmerde. Bon. Niveau 2, niveau 1, niveau 1. Très bien. C'est bon, t'es détendu, Jacotin? Bah, tu vas aller faire tes leçons parce que je crois que tu les as pas encore faites. Voilà. Le studio FS3 est en train de disparaître! Non! Edouard! À jamais dans nos cœurs! Et là, vous vous dites, mais pourquoi Loupi est encore là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on arrive à la deuxième partie de live et que le son est absolument dégueulasse! On n'entend plus ma voix. Enfin, on l'entend, la musique est plus forte. Catilina, qui à ce moment-là était avec moi, est plus forte. Donc en fait, on entend tout sauf moi. Et il est hors de question que je vous montre 2 heures de ça, même en résumé. Donc je vais... ça craint parce qu'il y a eu quand même des bons moments, comme quand on a chanté, etc. Mais bon, voilà, c'est super, j'ai bien le seum présentement. Il s'est passé que... je sais même plus ce qui s'est passé. J'ai géré quoi, tout le monde a grandi, machin... Et Pierre est tombé enceinte de Max. Et j'ai quitté le live sur, je crois, les jumeaux ou les jumelles qui ont grandi. Enfin, en tout cas, il y en a qui ont grandi. Je sais plus lesquels, mais il y en a qui ont grandi. Bah non, je crois que les triplés sont partis du coup pour que Pierre soit enceinte. Je sais plus, franchement, je sais plus. Donc c'est génial de faire un récap pour dire qu'on sait plus. Voilà, c'est super. Et en fait, j'avais coupé le live avant que Pierre accouche. Et donc, j'ai continué à jouer hors caméra jusqu'à ce que Pierre accouche. Et là, après mon sublime discours passionnant, vous aurez donc la fin et l'accouchement de Pierre. Et j'espère que vous aimerez. En attendant, juste avant, je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires. Genre, combien de bébés Pierre aura? 1, 2, 3. Quel sexe ils seront? Enfin, quel genre, pardon. Bref, je vous laisse avec la suite. C'est génial. Franchement, c'est génial. We'll be right back.
Et nous voilà avec la conclusion de cet épisode. Donc, c'est après le live, comme je l'ai dit. Vous avez pu voir, grâce aux petits extraits, que les filles ont grandi et ont donc quitté le foyer et que les jumeaux ont aussi grandi. À mon grand regret, ce ne sont pas des vrais jumeaux. Je suis déçue. Pierre va accoucher, donc c'est parti. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous veulent des triplés, mais très franchement, je doute en avoir. Je pense des jumeaux, j'espère que ce sera bien. J'espère au moins des jumeaux quand même, parce que j'ai pas envie qu'il y en ait qu'un seul. Allez, c'est parti, moi j'ouvre mon document, par contre j'ai plus de prénom de garçon, donc ce sera au hasard les gars. Si vous êtes un garçon, manifestez-vous dans les commentaires si vous voulez que je mette votre prénom. Ou si vous êtes une fille et que ça vous dérange pas que je mette votre prénom à un garçon, manifestez-vous aussi. Allez, c'est une fille, bah c'est très bien. Manu, c'est pour toi. Tu es la suivante à te faire insulter. C'est une autre fille, donc déjà des jumelles, donc c'est cool. On va mettre... Bah Claire, Claire à Dag, je crois, si c'est bien ça, mais du coup ce sera juste Claire, ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait triplé, révélation. Sachez que je vous déteste, du plus profond de mon être. Pendant 4 heures, vous étiez là, on veut des triplés, t'auras des triplés. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas de triplés quand même. Allez Max, donne-nous ta petite tête blonde. Je vous hais. Bon bah, mamie va être contente, hein, ça fera un chiffre rond. Voilà, on est à 60 bébés. Et ce sera donc Paella. En fait, je sais pas si je suis contente ou si je suis deg, parce qu'au final, ça va, je commence à les maîtriser, les gamins. Bon bah, écoutez, ça c'est fait. Ça conclut très bien ce magnifique épisode. J'espère qu'il vous aura plu, donc l'épisode récap, etc. J'espère que tout ça vous aura plu. Je vous envoie plein de cœurs et de paillettes et salut !